Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le ministre guinéen de la Justice et des Droits de l'Homme, par voie de presse, instruit le procureur général près de la CRIEF d'ouvrir sans délai des enquêtes judiciaires contre le directeur général de l'Agence nationale du volontariat, Mamadou Maka Baldé. Il est accusé pour des faits présumés de détournement, de déni public, d'enrichissement élitiste, de corruption et de faux en écriture. Les explications de l'Anfia Camara. Face à la lutte contre les infractions économiques et financières, le garde des Sceaux reste déterminé. Des preuves dans les mains, cette fois-ci, c'est le directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeunesse qui est dans le viseur du ministre Alphonse Charouët. Sur ce nouveau front, plusieurs chefs d'accusation pèsent sur la tête de Mamadou Maka Baldé. L'État, à travers la loi des finances rectificatives, a aussi alloué à la dite structure un montant d'1,9 milliard de francs guinéens pour le cadre de son bon fonctionnement. Il est révélé que c'est ici. Le rapport final d'activité fait état des 188 jeunes volontaires de la 8e Corte, alors qu'une dizaine de volontaires n'ont jamais été sur le terrain. La poursuite du paiement des salaires des contractaires poussés à la démission. Le paiement du salaire d'un chauffeur qui travaille sur un véhicule réformé mis en location. La réalisation des activités non inscrites, ni dans le contrat de performance, ni dans le plan de travail annuel 2023. Pour l'année 2023, l'État a mis une subvention à la disposition de la même agence d'un montant à hauteur de 4 milliards. Ces 4 milliards-là, tous ces montants-là ont été décaissés. Mais sauf que les activités réalisées ne correspondent pas à ce montant de la subvention. Dans sa position de moralisation de la gestion de deniers publics, le patron du département de la justice a instruit au procureur spécial près la CRIEF d'engager des poursuites judiciaires pour des fins d'enquête. Cette injonction s'adresse à M. le procureur spécial en vertu de l'article 37 du Code de procédure pénale d'engager des poursuites judiciaires par l'ouverture d'enquête autour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et faux en écriture publique contre M. Mamadou Maka Baldé, directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Pour Alphonse Charouët, la mission assignée à lui par le président de la transition ira jusqu'à son terme et la trahir reviendrait à quitter ses fonctions. Le garde des Sceaux a également rassuré que la mesure d'interdiction de sortie du territoire prise contre les DAF, DG, DPA et maires reste maintenue. Dans la...